Salut tout le monde, c'est Michael Samurai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le nouveau trailer de Demon Slayer avec l'arc du village. Donc j'espère que vous êtes chaud, je mets les écouteurs. Hop, c'est parti, on va voir un peu ensemble qu'est-ce qui va se passer dans cet arc. Je crois que c'est comme ça les écouteurs. C'est des nouveaux écouteurs et je sais pas trop comment les mettre. Je pense que c'est comme ça. Eh ben c'est parti, hein. C'est parti, on y va. C'est parti, hein. Moi de blabla. Allez. La musique. Ah j'adore. Oh ah, c'est vraiment la musique de Demon Slayer. Donc là, on voit vraiment les passages des anciennes saisons. Kyojuro. Il était trop bien ce personnage. Ah, c'était trop triste qu'elle est morte. Ah, le pilier Tenzen. Tengen, je crois. On voit le démon de la saison 2. Ah ouais, le dernier épisode de la saison 2, là, il était énorme avec l'arc des plaisirs. Oh, c'était monstrueux. Ouais, on voit vraiment tous les passages de la saison avec l'arc des plaisirs, là. Et il était incroyable, les amis, cet épisode, le dernier épisode de la saison 2, là, l'arc des plaisirs. Oh là 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 là. C'était une dinguerie. Donc là, on a vu tout ce qui s'est passé avant. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Nous allons voir l'arc du village. L'arc du village. Ah. Ouais, ok. Ouais. Donc là, il fait une nouvelle arme. Oula, attention, attention, la musique, la musique, la musique. Pas de droit d'auteur, s'il vous plaît. Oh là là là. Ah, on voit le pilier, là, le serpent, je ne saurais pas dire son nom. Mitsuru, le pilier. Enfin, la pilière. Et ok. Ouais, et puis. C'est tout? C'est tout? Et une date, s'il vous plaît, une date. Non! Non! Je voulais une date! Bon, je suppose qu'il sortira en 2023. Mais. Ils nous ont montré tout ce qui s'était passé avant. Et là, on a eu seulement 50 secondes. Ouais, 50 secondes de trailer sur l'arc du village et y a pas eu grand chose quoi. Bon, on va voir ensemble ce qu'on a pu voir. En gros, ce que je peux voir ici, c'est ceux qui ont un masque rouge. Vous vous rappelez au tout début, enfin celui qui a fait l'épée de Tanjiro, celui qui a la même voix que Jiraiya en plus. Et ben, j'ai l'impression qu'on va aller dans son village. Je sais pas. J'ai l'impression, et peut-être que ce serait ça, l'arc du village. Voilà. Et justement, ici, ben voilà, on va voir le pilier, le serpent. Comment est-ce qu'il s'appelle? Attendez, je vais essayer de retrouver son nom. Obanai, voilà. Donc, Obanai sera mis en avant dans cette saison 3. C'est cool parce que j'ai trouvé un peu le personnage un peu mystérieux. Il y avait une ressemblance avec Orochimaru, avec ses serpents et tout ça, tu sais bien. Et là, bah là, qu'ils sont mis en avant, j'aimerais juste voir un peu son histoire et tout. Parce que dans la première saison, au tout début, bah, on n'a pas vraiment vu les piliers. Hein. C'est juste à la fin où on nous a montré les piliers. Puis dans la deuxième saison,
je veux dire du film, les 4 épisodes, du, non les 8 épisodes du film qui étaient centrés sur le train de l'infini, on a mis en avant Rengoku Kyojuro, personnage, mais c'est dommage qu'il soit mort, elle était tellement bien. Et ensuite de la 3ème saison, on nous a mis Tengen, heureusement qu'il est pas mort, et donc lui il était vraiment génial aussi, il me faisait rire hein, qu'elle avait travesti Tanjiro, Inosuke et Zenitsu, c'était vraiment marrant, il me faisait rire ce personnage. Et là, et bah ici, bah donc du coup, on aura lui qui sera en avant. Donc j'aimerais juste voir un peu son histoire, à mon avis, il doit être fort. Hein. Est-ce qu'il serait plus fort que Tengen? D'ailleurs, Tengen, ça me faisait rire parce qu'il avait 3 femmes. Le gars, il se mettait bien, le gars, je dois dire. Et on suivra aussi Mitsuri. Donc on sera centré, à mon avis, sur 2 personnages. Pas un, mais 2 personnages qui seront très présents lors de cette saison 3 de l'arc du village. Donc pourquoi pas, franchement, ouais. Très belle aussi à Mitsuri. J'aimerais juste voir un peu aussi si elle est forte ou quoi. J'adore aussi Shinobu. Shinobu. Et ensuite, on voit Tanjiro. On sait pas trop ce qu'il fait. Je suppose qu'il découpe un démon. On voit pas le démon ici. Le trailer est assez court. Donc je pense qu'il y aura certainement d'autres trailers. Après, bon, il faut pas, comme je dis, il faut pas nous montrer tout. Mais je pense qu'il y aura quand même un autre trailer. On en verra un peu plus. Bon, ben. Pas de date de sortie. voilà quoi. Je sais qu'aussi, pour ceux qui ne le savent pas, dans la saison 3, dans l'arc du village, Akaza sera présent, il me semble bien. Et il y a une histoire à raconter et tout, ce personnage. Il paraît qu'il est vraiment bien après. Bah, il était déjà bien, tu vois, il était stylé, tu vois. Mais là, on va vraiment voir son histoire et tout sur Akaza. Donc, je crois que ça est ici. Je crois que c'est dans cette saison qu'on verra ça. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un pouce bleu, t'abonner à la chaîne, me suivre sur les réseaux sociaux. Et si tu veux pas rater mes vidéos, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Et moi, je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, matane !